Bonsoir Vincent Calbeau, on est ravis de vous recevoir. On va partir un peu la tête dans les étoiles. Vous êtes architecte visionnaire, vous publiez un bouquin, j'allais dire, complètement fou. On se l'est repassé à la rédaction depuis des jours et des jours, de Paris en 2050, où on verrait des cités fertiles voir le jour un petit peu partout dans la capitale. C'est aux éditions Michel Lafon. On va voir d'ailleurs quelques images. Vous revoyez complètement la capitale, des tours vertes rue de Rivoli, un pont plein de verdure et d'éoliennes sur la Seine, des tours Montparnasse repeintes à la sauce écolo. On est en pleine utopie, là, quand même. Donc, je pense que nous sommes en pleine utopie concrète, c'est-à-dire une utopie qui est réalisable sur la génération dont je fais partie, c'est-à-dire une génération sensibilisée par le Grenelle de l'environnement, sensibilisée par les normes de haute qualité environnementale, et donc une génération qui veut prouver qu'on peut véritablement assurer la transition énergétique en créant une ville post-carbone, post-fossile, post-nucléaire, post-insecticide. Pour l'instant, ce sont vos projets à vous. Est-ce que vous avez approché les pouvoirs publics ? En fait, l'étude Paris Smart City 2050 était une commande de la mairie de Paris pour étudier justement comment on pouvait intégrer les immeubles de grande hauteur dans le cœur du Paris intramuros en s'inscrivant directement dans le plan climat-énergie qui vise à réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais on voit les images, bon, ça a l'air fabuleux, mais quand on voit que même une tour a du mal à sortir à Paris, vu les oppositions, c'est complètement irréaliste. On voit par exemple que vous voulez mettre des tours au-dessus de la rue de Rivoli, vous allez avoir toutes les oppositions contre vous. En fait, le concept cœur du projet s'appelle la solidarité énergétique. Simplement, c'est le but est d'intégrer des tours de grande hauteur qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et cette surproduction énergétique, via l'intégration des énergies renouvelables, permet justement de redistribuer de l'électricité, de la chaleur, des frigories aux bâtiments existants. Mais pourquoi le faire au centre de Paris, qui est une ville de plus en plus musée ? Justement, pour lutter contre la muséification et la gentrification du centre-ville et pour faire en sorte finalement de résoudre la crise chronique du logement que connaît la ville Lumière aujourd'hui. Vous mettez des arbres partout, hein ? Le but, c'est de revégétaliser la ville, de rapatrier l'agriculture et les agriculteurs au cœur de la cité pour finalement faire en sorte qu'on produise en ville directement ce qui y est consommé. Et donc, on vient produire les fruits et les légumes biologiques pour l'ensemble des Parisiens et on vient lutter ainsi contre ce que l'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Oui. Cet effet d'îlot de chaleur, il fait en sorte que, en plein été, à Paris, à minuit, toutes les façades en pierre, tous les trottoirs minérales rendent finalement la chaleur qui a été accumulée la journée. Et grâce à l'évapotranspiration des plantes, on peut lutter de façon passive, de façon bioclimatique, contre finalement ce réchauffement climatique. Vous dites que ça pourrait, votre projet pourrait être mis en place un jour. Est-ce que de votre vivant, vous pensez que ce serait possible ? Donc effectivement, on a travaillé ici avec le groupe Stetec, qui est un grand groupe d'ingénieurs, pour prouver que les 8 prototypes de tours que l'on a développés pour Paris sont des projets qui ont été inventés à partir de technologies existantes. Et donc, par exemple, avec des projets qui sont en chantier au Caire ou un gros projet de tour écologique qui est actuellement en chantier à Taïwan, j'essaie justement de prouver que cette révolution écologique est aujourd'hui en cours dans les pays émergents. Et nous, les pays occidentaux qui avons finalement déclenché ce dérèglement climatique, il nous appartient d'être pionniers en la matière. Mais par exemple, vous mettez des éoliennes verticales partout, on n'en est qu'au début de ça, sur vos dessins, il y en a partout. Hein. En fait, on pense qu'on n'en est qu'au début, mais dans les pays... Ça fait un boucan extraordinaire. Dans les pays du nord de l'Europe ou par exemple à Taïwan, ils sont en train de développer des éoliennes axiales à sustentation magnétique, c'est-à-dire des éoliennes axiales qui ne font aucun bruit mécanique et qui du coup peuvent être directement intégrés en cœur urbain. Et alors c'est quoi la réponse des pouvoirs publics puisque vous dites que vous avez travaillé à la demande de la mairie de Paris ? La réponse des pouvoirs publics, c'est effectivement de dire qu'aujourd'hui, il est possible de transformer les contraintes du dérèglement climatique en opportunités pour véritablement inventer des nouveaux modes de vie éco-responsables. D'accord, ce oui, n'est concrètement. Pas une utopie et avec des investisseurs, on est capable aujourd'hui de construire de tels projets, comme par exemple la tour-pont inspirée du Ponte Vecchio, qui à deux pas d'ici viendrait recouvrir
le boulevard périphérique qui franchit la Seine entre le 15e. Mais vous voyez, parce qu'on va revoir encore l'esthétique de vos tours, vous voyez les associations environnementales ou du Vieux Paris et tout, ça va être. Ils vont crier. Le si but, on met ça c'est dans Paris. De dire effectivement qu'on ne vit pas dans une ville musée. Mmh. On vit dans une ville qui tente de faire en sorte que l'architecture et l'urbanisme répondent finalement aux demandes des citoyens d'aujourd'hui. Et je pense que la ville doit effectivement évoluer siècle après siècle, à savoir que l'architecture haussmannienne que l'on connaît aujourd'hui date seulement d'il y a 2 siècles. Et à l'époque, il y a 200 ans, le baron Haussmann avait rasé 75% de l'île de la cité. Oui, les associations, l'information n'étaient pas la même. C'était quand même sous le Deuxième Empire. C'était pas les Donc, mêmes. En fait, le choix, c'est de dire, est-ce qu'on va rester dans une ville qui, finalement, est hyper énergivore, ou est-ce qu'on va être capable d'inventer un nouveau modèle qui mette en marche cette révolution écologique? Alors, vous allez plus loin aussi avec le projet Lilipad, des cités flottantes de la forme d'un nénuphar. Là, c'est pour accueillir les premiers réfugiés climatiques, des villes flottantes. Tout à fait. Donc, c'est un projet qu'on a élaboré en 2007, qu'on est en train d'affiner actuellement, on voit à l'image, avec l'Université de Singapour, qui est spécialisée dans l'architecture navale. La réponse ici qu'on veut apporter, c'est inventer une nouvelle façon d'abriter temporairement les futurs migrants environnementaux. Ces futurs réfugiés climatiques qui seront au nombre de 250 millions d'ici 2050, c'est-à-dire des populations qui vont devoir quitter leurs terres. Pas sûr, comme sur l'image, qu'elles viennent s'amarrer devant le port de Monaco, mais bon. Suite à la montée des eaux ou à la salinisation des terres agricoles. Ici, effectivement, on l'a intégré à Monaco, lors notamment d'un grand concours international qui avait été lancé pour étendre Monaco sur la mer. Actuellement, on a 2 possibilités de construire en mer, soit sur pieux, c'est-à-dire comme les plateformes pétrolières, soit sur polder, c'est-à-dire sur un amoncellement de sable, comme le Palm à Abu Dhabi. Mmh. Nous, on a voulu inventer une 3e solution qui respecte les écosystèmes marins en inventant également une nouvelle façon de vivre de façon nomade sur les océans. En cas de tempête, ça résiste ? En cas de tempête, donc, la structure justement inspirée des nervurations d'une feuille de nénuphar a été imaginée effectivement pour lutter contre les tsunamis et pour pouvoir avoir une ville qui se déforme mais ne rompe pas. Et votre tour à Taipei, là, on est en plein dans le concret, elle en est où? Elle doit être livrée l'année prochaine, normalement. Donc, la tour à Taipei sera livrée l'année prochaine. C'est une tour qui réduit de 50% sa consommation énergétique, qui économise jusqu'à 135 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et qui sera recouverte de plus de 25 000 arbres et arbustes en plein cœur urbain minéral. Ah, voilà, on la voit ici avec cette ellipse qui permet d'avoir des balcons pratiquement pour tous les appartements. Voilà, hein. Donc c'est une tour vrillée qui est recouverte de végétation et qui vient fusionner finalement tous les avantages de la qualité de vie à la campagne, mais en plein cœur de la ville. Mmh. Vincent Calbeau, et vous pourrez consulter avec vraiment beaucoup d'intérêt ce Paris 2050, les cités fertiles face aux enjeux du 21e siècle. Franchement, on est dans un autre monde. C'est chez Michel Lafond. Un monde vert, ça fait du bien. Tout de suite, le journal de 18h.